Bonsoir tout le monde, nous comptons pour nous capables de rejoindre dans le cadre de la dernière sortie en parler sport et disponible sur la plateforme FLN2 Live. Nous comptons pour nous capables de venir et parler sport sous touche technique Kenley Jacques. Nous sommes capables de passer un bon moment à parler et football, bien sûr, et sur le plan international. Nous saluons chaque ami de manière séparée qui en bas live là. Nous comptons pour nous capables de venir faire petit causer sous et on petit causer tout court sous Ligue des Champions qui se fait là. Abdi pour faire une analyse tout court sous Ligue des Champions et pendant et mardi ensemble avec mercredi qui se passe là yo. Et différents hommes du match qui te gagnent dans le match ça yo et équipe type Ligue des Champions on a bien pour nous capable au moins venir faire un petit parler de lui et on a bien tout pour nous et présenter meilleur et passeur dans les compétitions ça on a bien tout pour nous parler de information ça m'a quand même dehors et avant hier ou bien hier disons hier eh bien gagné et Brésil qui ou encore la CBF qui envisageait et pour t'a nommé et Pep Guardiola comme entraîneur lui parce que c'est pas avant ou bien après Coupe du Monde là et t'as gagné information t'as fait quoi que et Pep Guardiola ce qui alors Manchester City qui t'a envisagé tout pour capable prolonger contrat et Pep Guardiola et selon information tout et bien Pep Guardiola, ce qui annonçait les capables, eh bien, mettez une fin avec un coaching au niveau club, mais plutôt pour le capable aller entamer un lot, et un lot facette dans le mode coaching, mais fois ça c'est avec ou bien un lot expérience avec équipe, mais c'est pas club yo, mais c'est avec équipe nationale yo. Pep envisager pour le capable de faire un lot expérience, ça qui pas facile pour Pep, mais et connaissant Pep, les papas prennent n'importe sélection tout et pour parvenir tirer boulette rouge sous et Pep Guardiola qui donc a bien pour nous faire on se parler de la sélection brésilienne de football, c'est que championnat majeur, c'est pral information capable clôturer et cinquième et dernière sortie nous pour semaine là. Voilà, on va regarder ça que tu gagnes dans la Ligue des Champions, je nous te connais. J'aime te dire, nous pas trop miser. Donc, Ligue des Champions qui se fait là, mardi, ensemble avec mercredi, c'était et quart de finale qui a joué. Quart de finale sensationnel. Vle ou pas fort gain et deux équipes qui pour éliminer et pour capable alors deux quatre équipes capables pour capable éliminer et pour capable permettre la compétition ça lui-même d'arriver dans le bout. Donc il pas de surprise pour personne et je alors Liverpool t'a gagné un avantage sous adversaire direct client. Effectivement, Liverpool, t'as fait ça, t'es doué fait, hein, qui s'est battu 3 goals à 1, nos matchs qui te paraissent un peu, et pas difficile, mais il faut que tu aies une période d'observation, yo, avant même, eh bien, Liverpool, t'as et frappé pied à terre, et Liverpool, t'as pral montrer qu'effectivement, lycée Liverpool, faut qu'il est capable de gagner adversaire l'IA. Bref. Liverpool, tu as pris le gain 3 goals à 1. Et tu as pris le gain, et comme M. Léon Luis Diaz, qui t'a pris le fini l'homme du match dans le match Liverpool-là. Luis Diaz, c'est M. qui t'a pris le fini l'homme du match dans le match Liverpool-là. Donc, c'est intéressant. Diaz, qui lui-même, t'a pris le fini. Et l'homme du match, donc avec maillot jaune, puisque Liverpool a joué à l'extérieur avec maillot jaune. Liverpool a joué à l'extérieur. Il était obligé pas capable de jouer avec la couleur habituelle. Luis Diaz, voilà. Et côté, monsieur qui est même, en quelque sorte, et qui n'est pas capable de faire nous. Et ouais, Luis Diaz qui est même, en quelque sorte, tape et avec un trophée, meilleur joueur. Ça, c'était un meilleur joueur et un match Liverpool
contre la formation et Benfica Lisbonne. Donc, Kevin De Bruyne, nous avons fini meilleur joueur dans le match et à Madrid là. Et nous connaissons bien Kevin De Bruyne, nous était plein de ça. Je dis c'est la première fois que nous croisons équipe à jouer 5-5-0. Donc, toute équipe et à Madrid là, tu es obligé à le masser dans le camp parce qu'il n'y a pas de cas supporter Assault et Citizen. Citizen de Pep Guardiola qui est à peser sous accélérateur. Hein? Effectivement, il a joué un grand goal dans le match. Nan. Mais c'est un match qui était ouvert puisque un y est pour dire la donne. À n'importe quel moment, AC Madrid capable changer de donner. À n'importe quel moment, tout Manchester City capable et virer bagayo dans mes équipes. Et AC Madrid, nan. Qui donc, Atlético Madrid, Ligue Espoir. Même genre, gagner Manchester United qui gagne espoir. Et puis, dans un match surprise, c'était Bayern Munich contre Villarreal. Munich croyait et après le surprendre dans un match ça. Et donc, c'est un match en pile monde était ouais qui était à la portée de et Mencunio. Alors, de Munich, disons, effectivement, il était à la porte de Munich. On dirait, eh bien, Munich était sous-estimé les sous-marins jaunes. Malheureusement, et au fin sous-estimé l'équipe, bien sous-estimé, mais tout, Fok, Willian et Nagelsmann, tu es capable de commencer à mettre grand monde, j'en ai dit récemment, mettre grand garçon. Et Nathalie mettez grand monde sur lui pour être capable d'affronter dans l'Alliance Arena dans le match retour, une équipe de coup Villarreal. Donc, jouer dans l'Alliance Arena, c'est un impératif. Donc, alors, Villarreal est capable de demander Barcelone comment ça t'est hein, pendant la période COVID-19 là, comment ça t'est l'autre a joué dans l'Alliance Arena. Pour cela, on dit, eh bien, il n'est pas facile. On te prend 8, on te baille 2 et on te rentre là quand même avec tête baissée. Donc, c'est vrai, ça c'était sous les entités flics. Non? Flics qui sont un coach qui habite avec gros pas mal de si j'étais adjoint et Joaquin Love, le Brésil, t'as pas le prendre 7 goals à 1-1. Pas mal de me causer ça, donc c'est un coach qui est en quelque sorte qui gagne son ADN. Donc automatiquement, même si tu as quitté tête en Dieter Flick, tu as quitté cette sélection allemande là et pour le coacher et Bayern Munich, où tu es venu sentir et la sélection et mon chef, à savoir la sélection allemande de football, tu as venu gagner et tu as venu réduire la qualité joueur tu te connais pas là surtout le et alors et Allemagne a joué, ou senti une équipe sérieuse qui a joué, ou senti son équipe qui voulait pousser vers l'avant, ou senti son équipe qui a tout pris, voulait faire un paquet, un paquet, un paquet de bagages. Donc, Hansi Flick, c'était très remarquable en tant qu'adjoint et travailleur en été louable. Et son coach, moi-même personnellement, moi-même, parce que lui est insatiable, automatiquement coach à l'île à niveau ça. Donc, non seulement il a joué un football qui pour permettre lui pas prendre goal, ça est spécialiste dans niveau ça, le football équilibré. Hein? Donc, elle est difficile tout pour jouer football équilibré et pour pas prendre goal. Ou prendre goal, mais certainement, nous souvent jouons des coachs qui offensifs, de coupe Pep Guardiola, défenseur souvent vulnérable, malgré tout ça, qu'on fait avec Barcelone, mais Pep Guardiola, son coach qui te connaît pratique goal l'élite. Donc, c'est style coach ça y est. Coach Sayo, le yo a joué football qui offensif là, mais yo vulnérable, donc ou capable de jouer, mais si aller mieux, peut-être non, et non, et non, l'entraîneur a joué un football qui est équilibré, donc là, alors c'est pas n'importe qui est capable de jouer, faut jouer ça, qu'on joue football tout bon, et pour être capable de jouer, système ça, qui c'est football et équilibré. En fait, nous sommes dans un dit flic, donc flic, tapcal, et font passage qui remarquable avec
et formation et qui ont encore et équipe Bayern Munich. Donc monsieur qui était ou c'est pas même monde Willian ensemble avec Hansi Flick, c'est pas même monde Niko Kovac ancien joueur tout et équipe Bayern Munich. Malheureusement Niko Kovac t'as pas le un bon joueur équipe ça a gagné souvent qui c'est et Thomas Müller Hansi Flick vient monsieur vient avec un discours très politique monsieur dit équipe il a construit directement sous et Thomas Müller mais monsieur Tefel et monsieur t'es ressuscité Müller t'es mort sous Niko Kovac là. Bref et puisque nous pas là sous Bayern Munich mais Bayern Munich qui gagne rendez-vous c'est pas l'autre semaine qui vient là et avec pour la jouer disons contre eux et Villarreal. Donc c'est pas une bagarre facile dans Allianz Arena pour Villarreal et qui système ou bien qui méthode on coach d'un coup et on a Emery pour le mettre en place pour capable essayer barrer assaut équipe Bayern à Munich là pour ce semaine prochaine. Donc c'est pas un match qui prend sensationnel et dans match ça c'était Giovanni Lo Celso qui a fini meilleur joueur dans match ça donc monsieur qui a distingué parmi coéquipiers Lyon donc on pense c'est une très bonne chose tout pour équipe Villarreal là qui gagne longtemps li pas arrivé dans un niveau ça dans Ligue des Champions récemment nous t'es ou la telle, c'est yo te joué en demi-finale, ça a gagné pile année, soit 2000, saison 2005-2006, et contre Arsenal, et Wonnarumma Riquelme est après loupé en pénalité, et James Lehmann, et goalkeeper allemand, ça a été en bac à jean. Donc, ça fait longtemps, et yon équipe de coup, Villarreal, pas arrivé dans le niveau ça, dans la Ligue des Champions. On dirait, et Unai Emery vient de tête li, eh bien, cette question de et philosophie, nous, c'est pour nous jouer et Europa League. Monsieur dit, bon, on retire ça dans notre tête, c'est pas vrai du tout. En fait, monsieur, c'est vrai, tomber sur un gros requin en tant que petit poisson qui c'est Villarreal, mais il n'a pas fait différence là. C'est vrai, on est beaucoup dit dans le match ça. Si on gagne, si on a une capacité pendant 90 minutes, pour résister, certainement Bayern Munich l'a quitté compétition. En fait, si toutefois ça t'arrivait, pas tant de plein monde qui pral dit oui et dernier carré li pas belle et parce que Bayern Munich pas là parce que telle équipe pas là. En tout cas, Bayern Munich qui était même possibilité ensemble avec toute équipe yo, si c'est le cas il t'a quitté compétition. Donc, je ne parle pas de quelqu'un qui parle de l'IPAP pas belle, l'IPAP pas date. Mais pour le belle, il a toujours venu avec Boubouk et Fleur, limité dans le dernier carré. Fleur belle, s'ouvre le belle. Donc, bon, c'est ça. Il faut être capable de suspendre avec Jean de et pratique ça automatiquement. Il est capable de chance. Ou bien, l'équipe a s'il crée attaque lui. Et Villarreal, tu as des possibilités pour être capable, si tu as des joueurs sérieux, des joueurs tranchants, peut être capable de faire une différence là. Et avec, alors, fait différent ça, mais avec un long décor. Donc, malheureusement, joueur et pas assez tranchant, puis être capable au moins et prendre deux pieds. Équipe Bayern Munich, là, mettez nos seuls grains de souliers. Enfin, et Karim Benzema, c'est lui-même qui t'a fini meilleur joueur dans le match Chelsea contre Madrileño. C'est monsieur qui t'a inscrit tous les trois goals, équipe Real Madrid là et monsieur qui est après encore et pas suspendre d'écrire l'histoire avec équipe Real Madrid ça donc c'est une équipe Real Madrid qui est quasiment reposée sous dos Karim Benzema le Karim Benzema pas là ou est qui et impact ça fait sous groupe là pas mal de me causer, garde classique ou un, même Jean et Thomas Tuchel, tu prends ça comme exemple. Je t'ai dit, eh bien, Karim Benzema, son joueur, il était sous-estimé. Je t'ai dit ça là déjà. Et me rappelais, nous, ensemble avec Sony, tu as fait émission. L'homme t'a dit que Karim Benzema, pas de jambes, nous subalternes en équipe Real Madrid,
Karim Benzema était toujours en chef cuisine. Donc, les comptes qui j'aime, moi, j'étais toujours qu'on séparé. D'ailleurs, c'est Karim Benzema qui a fait un pile passe goal avec Cristiano Ronaldo. Donc, Karim Benzema, pas de jeu, monsieur Balten, joueur, c'est toujours un joueur qui était toujours prêt pour être capable de faire la différence. Et Karim Benzema a récemment fait sortir de la presse pour dire que donc, Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui balance pile passe goal dans l'équipe Madrilène. Donc, et Cristiano Ronaldo avec Karim Benzema, c'est deux joueurs qui étaient sous deux triplés et consécutives en Ligue des Champions. Donc, tous deux. Et alors, à Cristiano Ronaldo, c'est un ancien joueur de la maison de la Casablanca, si vous voulez. Et Karim Benzema a toujours été en équipe là et pour la faire parler de qualité. En tout cas, et Karim Benzema, c'est un joueur qui en forme équipe Madrid là et nous t'ouais qui absence monsieur qui impact fait contre et Barcelone nan, et de Classico et retour Karim Benzema attendez bien après retour de blessure là monsieur fait 5 goals et malheureusement il était une possibilité pour te faire 6 goals mais il t'a pas loupé une pénalité contre Celta Vigo. Donc c'est un bon joueur, équipe ça a gagné, Vinicius Junior qui, non, bel moment, c'est Vinicius Junior qui a joué et meilleure saison avec l'équipe madrilène. Même le niveau, monsieur Fonti, c'est parce que Vinicius Junior, il était montré, il a pris le plus tranchant pendant saison. Peut-être fatigue, par contre, mais ça qui est important, c'est que monsieur qui a joué une meilleure saison avec l'équipe madrilène. On va regarder équipe type et Ligue des Champions et équipe type là pendant Ligue des Champions. Donc c'est site Ligue des Champions même qui mettait 11 leaders. Donc là c'est faut nous dire bien gagner environ 5 joueurs. Et 5, je te dis bien, oui, 5 joueurs Villarreal qui, dans la liste, c'est là, 5 joueurs Villarreal. Ça veut dire Villarreal, Lille, et dans l'équipe type ça, il y a 5 joueurs Villarreal, 3 joueurs Liverpool, 2 joueurs Manchester City, et un joueur et Real Madrid qui c'est Karim Benzema, qui donc, monsieur qui a joué, ils ont. Et alors, ils te font bon boulot. Ils te font bon boulot contre l'équipe. On a parlé de et Bayern Munich. Voilà. Et oui, et Jérôme Mino, qui c'est un Argentin, monsieur qui a joué dans Villarreal. Et puis, à gauche, c'est Emric Laporte, c'est un Espagnol qui a joué dans Manchester City. Et puis, et Raúl Albiol, Espagnol qui a joué dans Villarreal qui n'a défense temps et puis gagné Konaté qui a joué dans Liverpool et comme latéral droit assez et Pau Torres espagnol qui a joué dans Villarreal son système 4-4-2 et puis et comme demi latéral et gauche c'est Danjuma et qui a joué dans Villarreal et puis gagné Daniel Parejo qui a joué dans Villarreal association avec Nabi et Keita, Liverpool et Kevin De Bruyne, Manchester City et Karim Benzema devant ensemble avec Luis Diaz qui a joué dans Liverpool. Voilà équipe type et pendant les matchs qui sont faits là dans la Ligue des Champions encore de finale là. Donc c'est intéressant quand même pour plusieurs joueurs qui sont en Espagne représentés, ça veut dire qu'il y a un petit mouvement qui a fait dans le championnat espagnol là. On va regarder meilleur buteur et compétition. Alors, et pas meilleur buteur, meilleur passeur pendant la saison 2021. Alors, saison 2022. 2023. Sadio, alors, Leroy Sané qui a joué dans l'équipe, qui a joué dans la formation, et Mini Croisade de football, il a gagné 6 passes décisives,
Même j'avais Bruno et Fernandes qui gagnent 6 passes. Malheureusement, monsieur qui pas dans la compétition encore. Vinicius Junior, 5 passes décisives. Et Anthony et Cap joué qui est éliminé tout avec Ajax. Amsterdam gagne 4 passes. Et Mbappé gagne 4 passes. Qui donc, c'est Mounzaïo. Qui est-ce qui est en compétition? C'est Leroy Sané, Vinicius Junior. Et dans la liste des meilleurs passeurs, c'est deux Mounzaïo qui sont toujours en compétition. Donc, c'est extrêmement intéressant. Leur gagnant, eh bien, jeune joueur Mounzaïo, qui a confiance et qui a montré qui est ça au gagnant dans Djakoutou. On nous fait regarder meilleur buteur de tous les temps de compétition, ça qui c'est Ligue des Champions. C'est Karim Benzema qui a rapproché la. Et vers classement ça, monsieur qui a pris un galon. Et gagné Cristiano Ronaldo qui gagne 140 goals dans toute l'histoire Ligue des Champions. Lionel Messi 125 goals. Et Robert Lewandowski vient en troisième position avec 85 goals. Gagné Karim Benzema qui a tagué Robert Lewandowski qui gagne seulement 3 goals en plus. Et Karim Benzema qui donc Karim Benzema a gagné et 80 De Gaulle et cinquième position, c'est Raúl González Blanco qui va jouer et football encore qui gagne et 71 goals et Wout Van Nistelrooy, monsieur gagné 56 goals qui vient en sixième position. Thomas Müller, 52 goals en septième position. Zlatan Ibrahimovic, 8e avec 48 goals. Même quantité de goals, ça tout pour André Shevchenko, ancien du Milan AC, Milan AC. Et monsieur qui a joué tout en équipe Chelsea, après ça, il était retourné dans Milan AC. Actuellement, là, c'est coach lié. C'est un Ukrainien et pays qui est en guerre. Et 10e, c'est Filippo Inzaghi avec 46 goals dans l'histoire Ligue des Champions. Donc, c'est, et comme ça, madame, monsieur, ça, les mêmes liens, ça, avec Ligue des Champions. Nous, et capable de finir, mais avant nous traverser pour aller regarder et Brésil, eh bien, qui nous dit, gagner et Karim Benzema, monsieur qui recevoir. Et yon trophée gagné, c'est et joueur qui pissin nan équipe Real Madrid là et c'est yon trophée et Sanitas et décerné avec les meilleurs buteurs équipe madrilène n'a parlé de Karim Benzema donc et pendant un jour pendant Covid là nous pas de Karim Benzema gagné Covid-19 ça veut dire son joueur qui prend en pile précaution avec ville mais pour ça gagné Sanitas qui décidait bail le trophée avec Karim Benzema pour résoudre ça. Donc, nous, et pral fait transition rapidement, on va regarder comment ça y est. Bien, selon Maka, et bien, Maka qui met une information de sur Pep Guardiola, Pep Guardiola, et bien, et le Brésil envisageait pour ta fait Pep Guardiola, Vin, et ou bien nommer lui comme entraîneur équipe Sina. Donc, et c'est après Coupe du Monde Qatar, ils ont envisagé avec le contrat de 12 millions d'euros pour Pep Guardiola. Ça, c'est information selon le journal Pro Madrilène qui se marque. Donc, dans toute histoire équipe Brésil, ça ne peut pas jamais fait pour un étranger entraîner l'équipe si là. Équipe brésilienne n'a pas gagné ça comme habitude, donc, ou bien n'a pas gagné ça dans l'agenda pour ces étrangers qui a venu et coacher la sélection brésilienne de football. Si ça fait, c'est pour la première fois ça va le faire. Et avant Coupe du Monde, soit 2014 ans, et selon l'information, Pep Guardiola, il était intéressé pour être capable de prendre l'équipe ça et pour aller loin avec. En tout cas, et Pep Guardiola récemment, il a fait sortir la presse pour dire et Brésil gagnait un paquet bon et gros entraîneur qui est capable de mener Brésil et vers n'importe quelle compétition. Je dis donc, les gars. Puis respect pour entraîneur qui n'a pas eu Brésilio. Donc,
il doit respecter ça pour qu'on y ait un contrat ensemble avec Manchester City. Et Maka lui révélé gagner la CBF qui envisageait pour capable gagner et alors Pep Guardiola comme entraîneur après Coupe du Monde, ça est fini. Donc c'est un dossier à suivre, son dossier pour être capable bien garder, son dossier et qui capable et soulever colère en pile ancienne gloire équipe brésilienne. Donc même je nous connais au Brésil toujours gagner formation et continue pour entraîneur yo parce que yo toujours gagner un paquet de séances de formation de haut niveau pour un souci pour capable opter entraîneur et non soit et qui a coaché n'importe quelle équipe au Brésil avec formation qui connaît tout avec pour et citer donc des fois citer absolue formation avec selon le Capello, plusieurs entraîneurs, ils étaient en séminaire au Brésil. Donc, ils ont fait séminaire pour les coachs brésiliens. Gagner des coachs brésiliens qui ont un gros niveau, qui fait 21 ans déjà, qui étaient présents comme, comme formateurs. Donc, c'est ça. Et ça, ils sont capables de soulever et coller en pile, en cette gloire et Brésil. Donc, et ça qui est important, c'est que et Pep Guardiola et monsieur qui et est-ce que monsieur Pral, après ça même le monsieur envisager tout pour être capable de coacher une équipe nationale, mais est-ce que Pep Guardiola Pral, tout bon vrai abandonner Manchester City soit pour l'Allemagne soit l'Espagne ou bien Brésil ou bien une équipe qui fait à appel une sélection nationale qui fait appel avec Pep Guardiola ou bien Pep Pral capable sélectionner ou bien le dit mais j'ai dit récemment ou bien fois passé yo j'ai dit mais côté Brésil ou bien Pep Guardiola t'a envisagé côté une sélection qui fait le Brésil. En tout cas c'est un dossier nous parler pour nous capable suivre avec un pile intérêt puisque Pep l'y envisageait et pour capable et coacher une équipe. C'est vrai, et pendant quelques mois là, et c'était monsieur qui a joué, c'est vrai, monsieur qui a joué Brésil bat, mais quelques jours là tout, c'était pas au free football Brésil qu'on jouait à nous, football champagne Brésil qu'on jouait à, c'était pas au free. Donc, c'est pas seulement ouais victoire, mais production joueur équipe brésilienne, non, ça l'est extrêmement compté. C'est vrai, techniquement, tactiquement, monsieur qui a fait et gros magie, il est capable de faire gros exploit, mais non, déplacer ballon ensemble avec nous, non, déplacer ballon sans monde. Donc, Brésil gagne pour être capable de travailler en pile sous ça. Donc, manquer mouvement, Brésil gagne pour le travail en pile sous mouvement lio. Et jusqu'à maintenant, Brésil besoin d'un attaquant qui Pablo fait, un attaquant qui a fait goal et continuellement. Donc, si on regarde pendant le passage Tite ou bien sous autre Tite à là, monsieur qui pour équipe ça et depuis, et c'était en 2017. Avant Coupe du Monde 2018, et Brésil t'a trouvé dans une situation difficile. L'homme se vini, se refait équipe là. Donc, tout éloge et Romário Fayas, ancien champion du monde, et qui fait pour lui calmer 14. Je dis, et si c'était trop propre pour cette sélection ça, et Brésil vraiment, il était dans une situation extrêmement difficile parce que Brésil t'a mordi la gueule, Brésil sélection ça, il t'a peint la gueule. Donc, sous les titans, qui est-ce qui fait plus de goals pour lui? C'est Neymar Junior qui fait 25 goals, deuxième monde qui fait et deuxième meilleur buteur sous autre titre avec l'équipe brésilienne, c'est Gabriel Jesus qui gagne 18 goals. Et deuxièmement, c'est Philippe et Coutinho avec 16 goals. Et troisièmement, c'est Roberto Firmino qui gagne 13 goals. Et gagne Richarlison avec 13 goals. Donc, c'est 5 mouns qui a fait goal pour Tite. Et ceci,
On joue à ta cour Gabriel Jesus, l'homme se appelé en sélection nationale. C'est pour un joueur qui a mis 2-3 goals non match. Peut-être Richarlison qui gagne. Habitude ça, leur fait appel à clé. Mais il gagne ou bagaille qui pas marché tout. Faut que tu es capable. Autrefois, l'équipe brésilienne était connue. Donc, et tout joueur offensif est capable de faire un goal à n'importe quel moment. Mais malheureusement, tout Brésil vient gagner des joueurs et des attaquants qui, des fois, maladroits, ça qui compte faire rater divers goals. Donc, ça, lit difficile et faut que tu es capable et corriger Kael. Sinon, et tu es un bon joueur, capable de t'aider, tu es et pas dans tête équipe ça encore, malgré un pile ou mais à faire quoi que après et Coupe du Monde là. Donc, tu es à bien et pour soi. Dis adieu avec ces élections, hein. Même je sais et toi après Coupe du Monde 2018 là, t'es grand pile en pile au rumeur et sous et Tite qui est à fait quoi si le champion bien pas champion là à route ou bien la occasion quitter ça. On rapidement ouais et match qui prend important dans ce championnat majeur européen. Donc, Everton qui pas un bon moment, l'a bien pour jouer contre une équipe qui pas trop différente à Avel, qui c'est Manchester United. Donc, et c'est pas un bel match à partir de demain matin à 7h. Et Chelsea qui t'a est tombé face avec les Madrilènes et 3 goals à 1. Il dit en déplacement pour la jouer contre Southampton. Donc, et puis, qui l'autre match qui va être intéressant. Et en Angleterre. Et bien Aston Villa qui a bien pour jouer contre Tottenham. Tottenham qui a fait remonter ça qui est extrêmement important pour eux. Et en Liga qui pourra jouer, la Liga là qui pourra le connaître bien sûr. Et combien de journées on pourra jouer là, c'est Pral et la Liga qui avance sérieusement. Le Pral gagne pour jouer la 31e journée. Donc l'équipe madrilène a bien pour la jouer et a bien recevoir l'équipe. Et j'ai ta fait un à partir de demain et dans ça que gagne ouais avec Liga toujours qui l'autre match qui a intéressant beaucoup well à part de Madilenio bien match j'ai pas collé sur mais go focus tout pour faire soit Madrid qui a monté tout donc c'est bien et puis pour gagner l'autre match et Bayern de Munich qui t'a pas arrêté son défaite a bien pour jouer contre Augsbourg. Donc, c'est pour qu'il faut qu'il soit capable de souquer quoi pour qu'il soit capable de mettre les gars sur eux. Et puis, Juventus Turin qui a bien pour jouer contre Cagliari Calcio et qui a match qui a bien encore et qui a match qui a bien en Italie qui est capable de paraître intéressant et ou bien fanatique et qui a gagné un pile fanatique haïtien et qui a supporté eux. Et puis, pour gagner, on choque. En Angleterre, c'est pour dimanche à 11h30. Là, c'est le sans pas oublier. Manchester City gagne 73 points. Et l'équipe Liverpool a gagné 72 points. Il y a un point qui sépare tout de l'équipe Sayo. Et c'est là, nous pourrons connaître qui est capable pour capable champion. Là, Liverpool gagne possibilité pour le relancer championnat. Mais Manchester City. Et Manchester City gagne pour devoir. Pour capable de mettre grand monde sur lui, pour capable de consolider le statut de leader, à savoir et battre Liverpool. Et ce n'est pas une mission qui est impossible, mais ce n'est pas facile tout. Même je n'ai pas facile pour Manchester City battre Liverpool, il n'est pas facile pour et Liverpool battre Manchester City. Mais ce qui est important, c'est que erreur, faut gagner, faut gagner goal. Il n'a pas faire erreur, et puis il a gagné goal. Et puis l'autre match pourrait être intéressant à partir de 3h, à partir de dimanche, Levante ou D a bien pour jouer contre le FC Barcelone, une équipe qui est plus en forme dans Liga Santander, à savoir le FC Barcelone, c'est l'équipe qui est plus en forme et qui gagne dans Liga 1. Donc, pas de doute de ça. Et puis Paris Saint-Germain, et pour les fans du Paris, on commence à parler pour Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain et qui et malgré toute critique yo la oui yo la petit en bas mais qui te nous dit Olympique Lyonnais
qui a travaillé là pour voir comment il est capable de venir en grand monde et quelque temps il perd une saveur ou bien il perd goût champion et Ligue 1, et bien la date bien pour jouer contre Strasbourg et il y a bien pour capable jouer contre Strasbourg Royaux. Donc ça il a supposé un et bel match, madame, monsieur. Donc et Boulogne et pas match qui trop intéressant. Côté passé, Milan AC. Donc, Milan AC a bien pour capable. Milan AC qui n'a obligation pour mettre grand monde sur lui. Si il pas tavelé, il a bien pour jouer contre une grosse équipe, c'est Torino. Et il a bien plus capable mettre grand monde dans grand monde, plus capable affronter l'équipe. Il a bien plus capable jouer ensemble à client. Voilà. Et c'est sous notre ça en Espagne. Nous mettons bout avec. Dernière sortie nous pour semaine là et merci ensemble avec Kenny Jacques qui t'a mis bouteau pour nous. Rendez-vous on se voit pour demain avec Max Post, Sonia Diatus. Bonjour, bonsoir, n'a pas croisé, c'est pour l'autre semaine.